Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Raid 4, ma toute première depuis que je l'ai. Donc sur cette chaîne, il va y avoir plusieurs jeux vidéo. Donc les Formule 1, Formule 1 F1 2020 et F1 2019 un peu moins. Mais on aura aussi Monster Energy Supercross, je vous en dis pas plus. Après, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le jeu Raid 4, qui est très très bien, à mon avis. Donc, le titre, que vaut-il le jeu Raid 4 réellement? Bah, je vais vous le dire. Donc, moi, c'est pas. Le jeu, c'est. Ça, c'est. Je vais vous montrer et. Mettez des commentaires, abonnez-vous et. Activez la cloche. Donc, on va commencer aujourd'hui par le mode carrière que je vais vous montrer. Donc, on a donc cette ligue-là. Donc la ligue européenne qu'il faut débloquer en faisant d'autres ligues. Donc après nous avons le mode course, une course unique, rapide et tout. Endurance, 20 minutes de course sans arrêter. Pensez à bien garder votre réservoir d'essence, je dis ça, je dis rien parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois. Une fois, je précise. Le contre-la-montre, testez vos motos. Et... le multijoueur pour s'équiper avec le PlayStation Plus, le moto et pilote, éditeur, donc ce éditeur, ça c'est défi hebdomadaire. Donc le défi de cette semaine, il y en a un, donc c'est pour les débutants, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Donc il reste un jour, 9h et 56 minutes. Donc pour ceux qui ont déjà le jeu, faites-le. Vous avez cette moto là. Une triomphe qui est pas mal d'ailleurs, je trouve. Donc, il faut faire un objectif de course. Donc, après que je vous ai montré tout ça, on va la faire pour voir si je peux gagner un petit peu d'argent en vidéo. Hors vidéo, sinon, j'avance. Bah, j'ai beaucoup avancé parce que là, c'est ma première. Donc, moto et pilote, le concessionnaire, on avait toutes ces marques là. Regardez. Donc je vais montrer que Yamaha et KTM. Ce sont mes marques préférées, mais après il y aura autre chose, vous inquiétez pas. Donc MT125, MT07 2021, je précise que je vous la montrerai en personnalisé. Donc le Raid 4 Bonus Pack 07 est gratuit. Vous pouvez l'acheter et comme ça va être de crédit, avoir cette MT07. Donc il y a celle-là que je n'ai pas achetée. Mais j'avoue, elle est pas mal. Mais Yamaha, c'est ma marque préférée, je précise. Donc ça, c'est payant. C'est écrit en bleu juste à votre gauche. Il y a la MT-09 pack 008 gratuit. Donc ça, c'est bien la MT-09. Je suis étonnée que ça s'appelle le pack 08. Mais le pack 08, vous pouvez l'acheter. Gratuit, pareil. Et vous pouvez la MT-09. Donc celle-là aussi est très 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 belle. La FZ-1N. Donc la MT-10 ABS. Donc ça c'est un peu la moto robotique, elle est très très grosse à l'avant je trouve. Donc la R3, la TZR250R, donc là c'est un peu la vieille moto. Donc après il y a tout ça, je vais pas tous les faire. Mais la R6, que vous débloquez au début du jeu je crois. Donc c'est celle-là que vous débloquez au début du jeu. Là, votre première moto, donc c'est pas mal, c'est une belle moto. La R1 bien sûr. Donc celle-là, ces terrains-là, elle est très 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 belle. Donc il y en a plusieurs. Donc nous avons celle-là aussi. Mais le plus important, c'est pour l'endurance. Donc c'est vraiment des motos... Elle, je l'ai, cette R1. Donc il y a toutes ces marques-là, KTM. KTM aussi, j'adore. J'aime bien les Dukes. Les Dukes sont très 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 belles. Voilà. Donc voilà, il y a tout ça. Elle aussi est très 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 belle. Donc après nous avons mon garage personnel. Donc vous allez voir toutes mes motos. Donc nous avons cette Aprilia, cette Monster. Donc ça c'est la Monster 1200S, donc de chez Ducati. Là il y a toutes mes Honda.
elle a pas de phare. Donc si vous voulez rouler de nuit, vous allez mal voir. Après, chez Kawasaki, donc celle, c'est le pack que j'ai acheté. Donc la Z1000, nous avons la Ninja, la Z1000 MC 2014, la Ninja ZX10R. Chez KTM, la KTM Duke 790 et la Super Duke R 1290. Après, nous avons les Suzuki et la Yamaha. Donc ça, c'est MT125, Supermote YZF 450 Supermote, la MT07 personnalisée que j'ai personnalisée moi-même. Vous êtes dans personnalisation de la moto. Et voilà. Après, nous avons la MT07 normale, la YZF R6, MT09 et la R1. Et voilà. Et ça, c'est mon garage personnel. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me demander en commentaire des astuces sur le jeu. Et voilà, donc... au revoir et mettez plein de pouces bleus et abonnez-vous.